Oyez, amis du culte, aujourd'hui je vais vous parler de Grave de Julia Ducournau. Oh, gloire à toi, Dieu du cinéma, qui enfin nous livre un film d'horreur français qui en a dans la culotte, et en plus réalisé par une fille. L'histoire, une jeune végétarienne arrive dans une école de vétérinaire où sévit sa sœur. Sauf qu'au cours d'un bizutage, elle est forcée de manger de la viande. Bien sûr, il y prend goût, et sa faim de viande va devenir faim de chair humaine. Elle va même découvrir que sa sœur est comme elle. Beau et poétique quand il le faut, des excès de violence justement dosés, tout est là pour en faire une future référence dans le registre des films d'horreur. Même si on aurait pu craindre le pire à cause d'un buzz orchestré grâce à des évanouissements au Festival de Toronto, mais bon, soyons honnêtes, tout ce qui se passe au Festival de Toronto, c'est toujours du pain béni pour l'équipe de com. Le public doit y être vraiment shooté, car c'est toujours un peu too much. Et ici, c'est encore le cas. Car à part quelques plans que les non-habitués aux gens verront d'un mauvais œil, il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat. Un petit mot aussi sur la réception de ce film. Certains médias comme le Figaro, média pris totalement au hasard, qui préfèrent survoler le film et s'en prendre à sa productrice, Julie Gayet. Mais bon, c'est le Figaro, hein. C'est pas comme s'ils avaient un vrai avis cinématographique sur quoi que ce soit et défendraient le cinéma de genre. Film sur le passage à l'âge adulte, une constance dans les films d'horreur, Grave joue sur le refoulé. Et sur ce passage à l'université où la plupart des jeunes agissent enfin par eux-mêmes et choisissent leur style de vie, un peu poussé par une communauté en forme de vase clos. On parle aussi de transmission des valeurs. En effet, l'intégralité du film se base entre l'arrivée à l'école et la fin du temps des bizutages de première année. L'héroïne apprend par sa sœur, par les étudiants des années supérieures, par elle-même et par son corps. Julia Ducournau, jeune réalisatrice réellement douée, parvient à obtenir le meilleur de ses acteurs. Ainsi, Garance Marillier, l'actrice principale, est l'une des excellentes découvertes du métrage, tout comme Ella Rumpf, qui joue sa sœur. Grave est un film qui assure grave.